Bonjour à toutes et à tous qui avez pu vous libérer pour participer à ce petit temps d'échange. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, vous me faites signe. J'ai voulu vous parler d'un projet, une action auquel j'ai été amené à contribuer avec beaucoup de plaisir, puis d'autres collègues d'ailleurs du centre de Toulouse. Que Michel Duru y a participé, Laurent Hasard aussi pour un petit moment, et que je trouvais intéressante, utile, et puis qui est dans une phase qui appelle à des contributions de votre part ou d'autres organismes. Donc, je peux vous expliquer ça. Alors le point de départ, c'est des discussions, des échanges qui se font dans différents cercles sur où se décident les orientations de la science, qui prend ces décisions, pourquoi il y a des choix qui sont faits, qu'est-ce qui justifie qu'il faudrait toujours plus de savoir. Quel est le rôle de cette science qui devient un mode dominant de représentation du monde, qui devient un instrument de politique, qui sont parfois surévalués ou parfois mal utilisés, et qui, d'après nous, enfin certaines personnes que je vais vous préciser, nous conduisent à réfléchir à comment on pourrait se réapproprier les sciences, non seulement dans leurs résultats, mais aussi dans la façon dont elles se construisent. Alors un bel exemple, le hasard du calendrier de cette réflexion-là, c'est la tribune qui vient d'être publiée hier par une des animatrices du projet dont je vais vous parler, La Horizon Terre, Aude Lapran, qui interpelle notre ministre de la Recherche, Madame Vidal, sur justement la façon dont sont décidées l'attribution des moyens, la façon dont sont organisées un certain nombre de priorités en termes de recherche. Et c'est un des endroits où ces grandes priorités de recherche sont définies et qui nous impactent tous, c'est au niveau européen, et c'est notamment ce qui s'appelle aujourd'hui Horizon Europe, qui est la planification de la recherche pour les prochaines années au niveau européen, et qui pose un certain nombre de bases, de points de départ, de postures, qui sont une espèce de mélange assez étonnant de choses sur lesquelles ne peut qu'être d'accord sur le développement durable, le progrès social, et puis en même temps la croissance, de la productivité, de la compétitivité, sur lequel on se dit, mais tiens, mais pourquoi ça irait de soi que ces éléments-là, ces valeurs-là, seraient forcément le point de départ des choix scientifiques. Ça pose aussi une hypothèse assez forte en imaginant que c'est toujours la science qui a été à l'origine du progrès. Et de l'amélioration des conditions de vie, c'est loin d'être si évident pour toutes les créations scientifiques qui ont pu se produire. Et c'est parce qu'il y avait ces discussions-là, ces échanges, et notamment au sein de l'ATECOPOL, hein, de l'atelier d'écologie politique, qui a émergé il y a un peu plus d'un an maintenant, l'idée, eh bien, de réfléchir, d'essayer de réfléchir autrement. Et le projet s'est appelé Horizon Terre. Vous voyez l'analogie avec l'horizon Europe, donc l'Europe c'était un petit peu limité, et qui a visé à rassembler un certain nombre d'acteurs pour réfléchir à ce que pourrait être une autre forme de recherche qui soit responsable et engagée. Alors ces acteurs à l'origine de cette action, c'est une association très importante qui s'appelle Sciences Citoyennes, qui fait beaucoup de travail pour promouvoir une recherche plus participative, pour rendre plus lisible et partagé et démocratique les choix en termes de recherche. C'est l'association Ingénieurs sans frontières, et puis c'est l'atelier d'écologie politique que vous connaissiez bien, je pense, à Toulouse. Et ce petit collectif a
décidé de rassembler on était presque une soixantaine de personnes au moment où tout le monde était actif, pour réfléchir à ce que pourrait être une forme d'alternative à Horizon Europe. Alors, on a pris un peu ça comme point de référence, mais finalement, les réflexions que l'on a eues, elles sont valables pour beaucoup d'autres orientations en termes de recherche. Ce n'est pas que des chercheurs, il y a des chercheurs, mais c'est aussi des responsables associatifs, c'est aussi des acteurs de la société civile, bien sûr intéressés par cette question-là, motivés pour faire une proposition. Donc, ça n'a rien d'un collectif qui serait représentatif de la société française, hein. C'est pas un truc citoyen dont on va écouter vaguement la parole là. Donc, c'est bien des gens qui avaient des idées, mais pas que des scientifiques. Et puis, on s'est réunis pendant 3-4 week-ends, plus du travail entre les deux, pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être, à nos yeux, une autre façon de concevoir la recherche et des orientations de recherche qui nous paraîtraient être plus pertinentes et qu'on pourrait proposer. Alors, le cadrage, la démarche générale, donc c'est ces échanges. Ce que l'on a essayé de faire, c'est de produire un document sur lequel on puisse s'appuyer, sur lequel on puisse mettre en discussion, et j'y reviendrai, qui à la fois reprécise un petit peu le cadre général de nos réflexions sur la recherche, pourquoi on a justifié et on pense qu'il faut modifier cette façon de l'organiser. On a choisi trois thèmes. Parmi tous les thèmes qui étaient proposés dans la feuille de route recherche européenne. Donc, il y a un thème sur la santé, un thème sur énergie, mobilité et habitation, et puis un thème qui m'a particulièrement intéressé sur agriculture, alimentation. Et pour chacun de ces thèmes, eh bien, on a essayé d'expliquer et de justifier pourquoi ils nous paraissaient importants et pourquoi il y avait d'autres façons de les traiter que ce qui était classiquement proposés, et pour chacun d'entre eux, de définir des domaines d'intervention, des grandes questions qui se posent, et de les décliner en ce que pourraient être des questions ou des sujets de recherche. Bien sûr, comme ces thèmes se recoupent un peu, on a aussi, vous verrez, proposé des questions qui sont interthèmes et d'autres questions qui n'étaient pas couvertes. L'idée de cette structuration-là, c'est qu'on s'est inspiré du modèle proposé par Horizon Europe. Horizon Europe, il y a un document de cadrage qui suit à peu près ce plan-là et on a à peu près collé avec la façon dont c'est décrit, dont les questions sont posées ou les thèmes sont proposés. Alors, bien sûr, on a eu beaucoup de débats de se dire, mais finalement, pourquoi coller à ce format-là qui est critiquable à maints égards? C'était l'idée que ça puisse vraiment interpeller les scientifiques et des politiques et des décideurs pour bien leur montrer que oui, il est possible de présenter les choses différemment et de les aborder différemment. Voilà, donc c'est un petit peu la feuille de route sur laquelle on a travaillé, on a échangé et puis on s'est donné quelques guides, quelques éléments pour aider notre réflexion. Alors, j'ai essayé de les résumer là, peut-être que mes petits camarades qui ont participé à ce travail-là n'auront pas forcément exactement la même liste, mais moi, c'est ce que j'en ai retenu. C'est d'abord de partir de ce que l'on souhaite, de ce que l'on souhaite en termes de futur, pas forcément de la recherche, mais du futur en termes de monde dans lequel on a envie de vivre demain, compte tenu des menaces qui pèsent sur nous, compte tenu d'un certain nombre de choses. Ça nous a poussé à ne pas se limiter aux problèmes et à la quête des solutions. On a fait le constat que beaucoup des recommandations et des propositions qui étaient faites en termes de recherche, c'était souvent ce qu'on appelle du solutionnisme. C'est-à-dire, il y a un problème, voilà, on l'a plus ou moins bien circonscrit et cherchons la solution. On a un changement climatique, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à ce changement climatique? Et on s'intéresse finalement, jusqu'à maintenant, assez peu à vraiment s'attaquer aux causes. Alors, on les connaît, on les comprend, mais comment on peut agir sur ces causes-là? Donc, nous, on a essayé de ne pas se limiter à faire des propositions qui soient juste du solutionnisme, de ne pas se limiter aux technologies.
La recherche, ça n'est pas que des éprouvettes et des grands appareils et des grands équipements. Ça peut en faire partie, mais pas uniquement. Et il y a d'autres façons de l'aborder. Ne pas se limiter aussi à ce que l'on sait faire. Et c'est ce qu'on appelle un peu l'effet lampadaire, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir faire des recherches avec les dispositifs et les matériels et que l'on a à notre disposition. Puisque l'on a un accélérateur de particules, eh ben, beaucoup de recherches, on va utiliser cet accélérateur de particules. Puisqu'on sait faire et découper du génome en tranches, on va faire la recherche qui utilisera cette technologie-là. Puisqu'on sait faire et envoyer des satellites, on va faire de la recherche qui utilise ça et on prétend que, en tout cas, un certain nombre de recommandations, de propositions qui sont faites dans Horizon Europe, ça consiste à ça. Puisqu'on sait le faire, autant nous en servir et certainement qu'il en sortira quelque chose. Et enfin, de ne pas se limiter à un contexte de croissance, de compétitivité économique. Il peut y avoir d'autres dimensions. Voilà, ce travail, ça aboutit à un document d'une bonne centaine de pages, Horizon Europe, que vous pourrez consulter. Là, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire, qui reprend tous ces éléments de cadrage, de réflexion, et puis sur chacun des grands domaines, santé, énergie, habitat, mobilité, agriculture, eh bien, on a développé assez longuement ce qu'on imaginait comme piste de recherche. Et puis, vous avez d'autres questions qui se sont un petit peu rajoutées, là, qui sont indiquées à la fin sur le plan. Donc, vous pouvez consulter ce document qui est quand même assez conséquent. Maintenant, ce document, il est à la fois fini et à la fois pas fini. C'est quelque chose de transitoire, d'intermédiaire, qui est le fruit de notre travail d'une cinquantaine de personnes, pas forcément des experts dans le domaine, qui avons fait ce qu'on pouvait avec le temps qui nous était imparti et puis avec les moyens qui étaient les nôtres et nos connaissances. Donc on est bien conscient que tout cela, c'est imparfait, pas satisfaisant sans doute sur un certain nombre de points. Et donc, l'idée portée par le groupe, c'est de mettre ce document-là aujourd'hui en négociation, en discussion, ouvert à la concertation avec l'ensemble de la société des parties prenantes, que ce soit des citoyens ou que ce soit des structures plus organisées, des associations, des laboratoires, des collectifs de chercheurs ou qui voudra contribuer. Et donc, cette consultation, elle a démarré, elle va se terminer normalement en avril, peut-être qu'elle sera prolongée parce que pour l'instant la mécanique n'a pas encore complètement pris, donc on essaie de relancer un peu cette possibilité-là. Donc vous en tant que chercheur, mais peut-être en tant que citoyen, ou nous en tant que collectif, eh bien nous pouvons nous rendre sur ce site Décidim, Science Citoyenne à OVH. Il suffit de s'inscrire ou pas s'inscrire. D'ailleurs, on peut contribuer sans s'inscrire. Et puis, il y a tout un dispositif très bien expliqué. Je ne vais pas vous faire la présentation de la notice qui vous permet à la fois de consulter tout l'ensemble des documents, de chacune des rubriques de façon organisée, et puis d'y contribuer, de porter à la fois des ajouts, des critiques, des remarques, d'interagir sur ce document. Peut-être aussi dire, c'est super et très content et ça nous va bien, pour pouvoir l'enrichir et le faire évoluer. À l'issue de cette phase de concertation, ce document, il va être à nouveau repris, on va le retravailler, l'affiner, il devrait être in fine publié, diffusé et proposé comme un levier pour aller discuter, notamment par des associations comme Science Citoyenne, avec des interlocuteurs, qu'ils soient au niveau européen ou au niveau national, sur la recherche, elle pourrait être autre. Voilà ce qu'on peut vous proposer. La façon de construire les programmations de la recherche, la façon de décider, elle pourrait être autre. Voilà comment on a fait. On pourrait appliquer ça dans les mêmes démarches. Voilà en gros la démarche d'ensemble. Alors, je rentre un tout petit peu maintenant dans un peu plus de détails sur agriculture et alimentation.
On a beaucoup, beaucoup discuté, échangé. D'abord, on a fait le constat que ce qui était proposé par l'Europe, c'était quand même pas tout à jeter. Il y avait quand même des choses extrêmement intéressantes. Voilà, donc, c'est pas, il faut pas forcément le voir cette proposition-là comme une critique de tout ce qui est proposé par Horizon Europe. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui étaient que j'ai découvertes d'ailleurs et qui étaient intéressantes. Mais néanmoins, il me semblait qu'il y avait une autre façon de le présenter, d'autres angles. Et nous, on est arrivé sur ces quatre grands domaines d'intervention qu'on a identifiés. Et vous allez voir qu'ils dénotent un petit peu par rapport à ce que d'habitude on voit pour la science. Le premier, je le développerai un tout petit peu après, mais pas longuement, parce que je veux surtout vous inciter à aller sur Décidim et découvrir tout ça. Le premier, c'est autour, on l'a appelé se relier. C'est que l'idée que la recherche peut avoir un travail autour des approches sensibles, systémiques, autour du fait qu'il y a des relations entre les entités, entre les êtres vivants, entre les habitants des milieux, entre les humains et les non-humains, et que s'intéresser à la façon dont se construisent ces relations, la façon dont elles ont évolué, la façon dont elles ont ou non de la valeur, nous paraît être un sujet de recherche, un ensemble de recherches en soi qui est fondateur, qui est crucial, qui est central sur la façon dont on veut imaginer notre relation au monde demain. Le deuxième domaine d'intervention, c'est qu'on appelait le bien vivre, c'est une approche sociale. C'est produire et travailler dans l'agriculture, c'est les conditions de travail, c'est les relations entre les gens qui sont impliqués dans cette activité productive. C'est la convivialité, par exemple. Pourquoi il y a si peu de recherches sur la place de la convivialité dans les activités agricoles ou autour de l'alimentation, alors qu'on sait que c'est, on le ressent les uns et les autres, que c'est des éléments essentiels dans notre envie de travailler ou de. Donc c'est plutôt cette approche sociale qui est dans ce domaine-là. Le troisième, et là on rentre dans des choses un petit peu plus classiques, c'est autour de s'organiser. Donc c'est plutôt une approche politique, c'est plutôt autour des rapports de force, de la gouvernance, de l'organisation, des forces économiques et politiques et de leur rapport de force entre ces deux grandes puissances qu'il faut questionner, réfléchir, étudier et sans doute sur lesquels on peut agir. Et puis enfin, le faire, c'est l'approche plus technique et pratique. Alors, c'est plus proche de ce que d'habitude, en termes scientifiques, on a tendance à mettre en avant. C'est quelle technologie, quelle agronomie, quelle façon de concevoir, vers quel type d'agriculture. Vous voyez, une façon de concevoir les choses assez différente de ce que propose l'Europe. Vous pourrez aller consulter le document pour faire la comparaison. Sans rentrer dans le détail, parce que là, c'est beaucoup, beaucoup de textes, mais c'est pour vous parcourir un petit peu ce qu'il y a derrière chacun de ces grands domaines. Vous pourrez vous y référer dans le document et après, j'ai juste deux petites diapositives de conclusion. Donc, voilà, se relier, c'est autour de ces relations entre les différents organismes et les types d'alliances qui peuvent être construites, mais qui sont à étudier. Voilà, c'est bien une entrée en termes de questions de recherche, pourquoi on étudie finalement assez peu ces dimensions-là. Vivre bien, eh bien c'est l'idée de s'intéresser aux ressources qui sont limitées. Ça veut dire quoi bien vivre quand on a des ressources limitées? Est-ce que c'est la croissance perpétuelle de l'accès à des moyens et à une alimentation de moins en moins chère et gratuite pour tous ou ça peut être autre chose? C'est de réintroduire de l'humanité dans les activités productrices, dans notre relation au vivant, dans les relations les uns avec les autres, voilà, de réfléchir à ces dimensions de ce que j'ai dit, voilà, de convivialité, de place des activités artistiques, par exemple, en lien avec les activités agricoles. C'est de réfléchir au sens qu'on se donne dans le monde, qui travaille sur la façon dont on explique, on redonne à la fois aux consommateurs, aux producteurs, aux agriculteurs
du sens à ces produits qu'ils consomment, qui sont dans leurs assiettes. Voilà, donc comment on peut travailler à ça. S'organiser, c'est déjà faire un petit peu le point sur la façon dont les instances et les organisations politiques fonctionnent. Je vous renvoie à des débats très récents sur la fabrique de l'ignorance. Ça s'insérerait pile poil dans ces questions-là. Comment on étudie ces rapports de force entre différentes tendances? C'est le fait de construire des scénarios, de réfléchir au concept, par exemple, de commun, de réfléchir à ce que c'est que l'innovation. Vous n'avez pas le temps de lire ce qui est écrit, hein, c'est pas très grave. C'est pour vous donner envie d'aller voir un petit peu plus loin et vous montrer la richesse des questions qui ont été traitées. Le faire, eh bien, c'est autour de la construction de scénarios, d'imaginer des scénarios qui soient cohérents entre les différentes dimensions qu'on a essayé d'aborder. C'est tout ce qui renvoie à l'agroécologie, donc ça c'est beaucoup plus classique hein, dans nos recherches, comment on gère, comment on utilise les services écosystémiques et voilà et tout ça. Travailler sur les liens sur l'alimentation, comment on fait pour qu'elle soit à la fois bonne pour la santé, pour la planète et pour l'environnement et pour les agriculteurs. Et travailler sur les dispositifs d'approvisionnement, de transformation, tout ce qui est après l'agriculture. Voilà. Avec un peu de recul, mon ressenti de cette expérience, c'est que ça a été une expérience extrêmement stimulante. Moi, j'ai adoré participer à ces activités-là, même si ce n'était pas toujours facile parce que c'est. Il y a plein d'autres choses en même temps. Le Covid est venu percuter tout ça, donc ça a rendu les choses encore plus compliquées. Mais c'était extrêmement stimulant, des rencontres très vivifiantes avec des gens qui ont des points de vue très différents et qui étaient capables vraiment de nous secouer un petit peu sur nos bases, surtout nous, les scientifiques, qui arrivions un petit peu parfois en donneurs de leçons. Enfin, je le ressens comme ça. C'était vraiment intéressant. Je suis étonné par le résultat qu'on a obtenu, que je trouve très intéressant. Très dense, très riche. C'était pas gagné au début parce que quand on est parti au début avec des points de vue très 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 différents, je crois qu'on était plusieurs à se demander vers quoi on est arrivé. On est arrivé à quelque chose sur lequel on est assez d'accord et qui est riche. Bien évidemment, c'est incomplet, c'est partiel, c'est largement améliorable. Et c'est là où intervient cette phase de consultation. Et je réinsiste, vous êtes invité à y contribuer. Ça montre en tout cas qu'une autre recherche est imaginable. Alors, ça ne dit pas qu'elle est faisable, mais en tout cas, on peut l'imaginer. On peut la réfléchir, on peut travailler sur d'autres façons de faire la recherche. Et tout ça, ça contribue à fournir des éléments d'une stratégie plus globale, hein. Ce document, il n'est pas l'ultime et la seule production de ces réflexions. C'est un élément de stratégie d'influence pour construire des plaidoyers sur d'autres façons de guider les orientations de la recherche et les modalités de ces décisions. Et pour nous, d'INAFOR, chercheurs, moi, ça m'incite à me dire, mais comment on peut ajuster nos pratiques et nos orientations, sachant donc ces objectifs-là, mais aussi sachant les contraintes. Quand on a des personnes qu'on a recrutées, quand on a certaines compétences, quand on a des doctorants, quand on a des stagiaires. Il faut aussi tenir compte de ces contraintes-là qu'on ne peut pas modifier du jour au lendemain. Puis en même temps, on aimerait bien pouvoir ajuster nos pratiques et nos orientations vers les objectifs que je vous ai expliqués tout à l'heure. Pour moi, une des façons de faire, déjà à minima, c'est de nous pousser plus souvent à nous re-questionner plus au fond sur nos questions de recherche et leurs justifications. Je pense que souvent dans nos articles, dans nos rapports, dans nos documents, c'est finalement un passage sur lequel on va assez vite. Voilà, nos questions sont justifiées parce que, oui, bien sûr, on a besoin de connaissances sur telle et telle bestiole ou sur tel et tel mécanisme. Est-ce que ça suffit vraiment pour justifier les moyens qu'on y consacre? Est-ce qu'il y en aurait d'autres axes, d'autres façons d'aborder ces questions-là? Moi, je pense que oui et qu'on aurait besoin de le faire. Bon, le fait est que j'ai été en même temps impliqué dans plusieurs
Activité d'orientation de la recherche récemment avec le projet d'unité, le document de cadrage du métaprogramme que je coordonne, la préparation du schéma stratégique de département. Je dois dire que, bah, à la fois, je vois apparaître un certain nombre des questionnements et des points qu'on a identifiés dans nos réflexions pour Horizon Terre, et en même temps, toujours une énorme frustration de me dire, mais on en est quand même encore bien loin et on reste quand même bien souvent contingenté, garrotté par une espèce d'inertie de choses qu'on a déjà faites et qu'on veut absolument continuer sans forcément toujours les remettre en cause ou même chercher à les justifier. Tout ça, pour moi, ça conduit à être encore plus un fervent partisan d'une science qui soit ouverte, qui montre comment se fait la science, ça c'est important, mais qui soit aussi capable de montrer comment elle se décide et qui la décide et comment on décide de ses orientations. Voilà ce dont je voulais vous parler et